Aujourd'hui, dans ce nouveau format de vidéo, je vais vous présenter Gypsy, mon assistant. Salut! Le Physarum polycéphalum, nom parfaitement imprononçable, est un protozoaire. Encore un nom imprononçable. Je sens que le tapis des noms imprononçables se prépare. Bon, on arrête ça tout de suite, je veux des mots simples! Ok, c'est bon! Le blob est un protiste. C'est quoi un protiste? Les protistes sont des organismes eucaryotes unicellulaires. Hein? Les eucaryotes, ce sont les êtres vivants unis ou pluricellulaires dont leurs cellules possèdent un noyau. Ça marche. Bon, place au vif du sujet, les secrets du blob. Pourquoi on l'appelle blob au lieu de Physarum polycéphalum? C'est plus rapide en labo. C'est en référence à un film d'horreur sorti en 1958, The Blob. Il parle d'une créature monstrueuse venue de l'espace qui dévore les humains. Ich! Pourquoi tu en parles? Parce que c'est l'un des êtres vivants les plus étranges qu'il soit. Il suffit que je note quelques propriétés. Dis-moi tout. T'étais pas psychologue avant, par hasard? Bien que le blob ne possède qu'une cellule, il peut couvrir la surface de 10 mètres carrés. Un autre fait stupéfiant, c'est que son unique cellule double de volume tous les jours. Incroyable! Où en trouve-t-on? Parce que là, j'en frissonne déjà. Le blob vit dans les sous-bois et il est capable de se déplacer. Ah, rassurant! De quelques centimètres par heure. Tu aurais pu me le dire! J'ai failli hurler! Et d'ailleurs, il mange quoi ce monstre? Parce que dans le film, il mange des humains! Ne t'inquiète pas. En réalité, il ne mange que des spores de champignons, des bactéries et du bois mort. Tu m'as tout dit? Non, pas le plus important. Il suscite l'intérêt des scientifiques pour une raison vraiment fascinante. Une équipe de chercheurs japonais et hongrois considère que Physarum polycéphalum est capable de se déplacer dans un labyrinthe d'algues en identifiant le plus court chemin possible quand deux morceaux de nourriture sont placés à chaque entrée. En réalité, Physarum polycéphalum parcourt tout le labyrinthe et persiste uniquement sur le chemin le plus court. Une autre étude a démontré que Physarum polycéphalum pouvait résoudre des problèmes complexes mettant en jeu plus de sources de nourriture. Pour ce faire, les chercheurs ont déposé l'organisme sur une surface où étaient dispersés des points de nourriture représentant les différentes villes de la région de Tokyo. Physarum polycéphalum a ainsi créé un réseau optimisé entre les sources de nourriture, en reliant de la manière la plus efficace les différentes stations. Il a démontré que le réseau était similaire et au moins aussi efficace que le réseau ferroviaire de Tokyo. Merci Wikipédia. Oh, un logo là! Concentre-toi sur la vidéo! Une autre expérience a été réalisée par des chercheurs français. Gypsy, j'espère que tu n'as pas rajouté de cocorico au montage. Il faut que je précise une autre caractéristique du blob. Il peut se fusionner. Ça ne m'étonne pas, c'est rien comparé à ses autres propriétés. Les scientifiques ont appris à certains blobs à traverser des ponts de sel et d'autres n'ont pas eu d'apprentissage. Les scientifiques ont ensuite formé des paires de blobs expérimentés, des paires naïfs et des paires mixtes naïfs expérimentés pour qu'ils fusionnent entre eux. Puis, ils ont à nouveau obligé ces blobs à traverser des ponts couverts de sel. Surprise, les blobs mixtes étaient à la fois plus rapides que les blobs naïfs et aussi rapides que les blobs expérimentés. Comme si l'apprentissage du caractère inoffensif du sel avait été partagé. On peut en conclure que les blobs n'ayant pas de cerveau sont quand même des génies.